Moi je relance l'épisode, désolé, mais moi ce sera un épisode différent de celui d'Arda parce que voilà, merde. Mais non, mais on peut s'arrêter là. Et donc c'est le 79, c'est tout. C'est le 79, ah alors bah deux secondes. Bonjour. Voilà, deux c'est le secondes, deux 79. secondes. C'est le 79, Mais non, mais. et on a pris un combat. Voilà. Alors non, mais c'est pas. Attendez, j'ai ouvert la tombe parce que. Mec, hey. Si, la pizza. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous fous ce soir. Non, mais attendez, parce que moi j'ai vu une tombe, j'ai cliqué dessus. Bon, ça a déclenché un test. Mais ce qu'elle est muette. Une fois, les bons pilleurs de tombe, ils voient une tombe, bon, ils appuient dessus et ils ouvrent la tombe. Alors que les mauvais pilleurs de tombe, ils appuient sur la tombe et puis ils ouvrent la tombe. Ouais, non, n'empêche que, rendez-vous compte, moi, quand j'ai réussi à cliquer sur la truc et que j'ai trouvé 20 balles de chien avec une potion de vitesse et deux autres balles de. Avec le cadavre de Gordis. Le fameux Gordis. Le grand Gordis. Quoi, Gordis Au pays chien mort. De Gandis. Comme dans. Ouais, je prends la potion de vitesse, hein, et puis voilà. Bah moi je vais rien faire parce que je sais pas pourquoi j'avais pas d'action donc. Parce que tu étais pris par surprise. Bah, le maître chien Paul. Je vais faire caca chez Paul. Quand vous est venu le goût de Paul. Oh non. Au secours. Ah bah ça dégage hein. Ah bah non ça dégage pas. Ah, j'ai des avantages sur tous les jets. Attaque d'opportunité. J'aurais. Ah bah, loupé. Alors que mon élémentaire lui fait le taf. Je peux pas bouger. Je suis immobilisé moi aussi parce que je suis effrayé. En même temps, c'est des fantômes. Il meurt sur trois pauvres chiens et un fantôme. Comment ça, cible incorrecte? Attaque multiple, tu peux pas l'attaquer multiple? Ah ouais, elle a plus peur. Oh, ah purée, Atémir, j'ai cru que t'étais un mob, j'ai failli te mettre un coup d'épée dans la gueule. Oh, ça aurait été très drôle. Ah mais j'ai vraiment, je mens pas que j'ai failli vraiment failli lui... j'ai failli lui démonter la terride. Eh merde. On ne tape pas, hein. Non bah oui mais en fait vu que t'étais un petit peu genre translucide je me suis dit ouais c'est un ennemi ça. C'est très joli effet. On va tous se faire électrifier la gueule mais... J'avais pas vu que le sol était humide. Bah maintenant je pense que tu le vois. J'ai la vague impression que c'est humide. Mais pourquoi j'ai pas d'action, c'est quoi le concept? Mais je te vois pas dans le temps d'order surtout hein. Si moi je le vois. Ah mais oui c'est vrai t'es en farfadet. Mais pourquoi ce con il a pas d'action? Parce que t'es en farfadet. Ah bon? Mais t'as utilisé quoi pour te transformer? Mais c'est mon chapeau. Mais peut-être que parce que dans ton chapeau en fait tu peux pas taper des gens, c'est tout. Ah non c'est bizarre. C'est bizarre. Bon c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Il peut quand même taper. Exactement, je peux quand même faire 50 de dommages. C'est pas gênant. Et du coup je me heal. Attends, en un coup t'as fait 50 de dommages là? Bah c'était une action bonus même. Si tu veux bah. Savoir. Ça ah oui hein, parce que ce serait une attaque, ce serait un peu fumé quoi. Ça m'a coûté en tout et pour tout. Un point de. Un point de ki. Ouais. C'est pas comme si t'avais 72 000. J'en ai que 13. T'en as 13 mec, j'ai 5 batailles, manœuvres de bataille. Non, et dis-toi que j'ai un truc qui me les rend tous. Et qui me donne 2 actions bonus pendant 3 tours. Que j'ai jamais utilisé encore. Donc, je ne répondrai pas à cette offense. Hein bon. Gatox, tu fais quoi? Manifestement, okay. Il fait. Bah. Défense multi-attaque, c'est quoi ce machin? Ah, t'as multiclasse mec? Quoi? Qui? Moi? Non. Toi? Non. Je sais pas, je vois que t'as genre multi-attaque défense. On t'a dit non. Moi j'ai bien récupéré mon attaque. Ah! Je lui ai mis le critique et ça lui a mis combien là? Ah, j'ai mis 50. Non, 48, pardon. Oh, attaque d'opportunité là. Si. Si. Ouais, hein, ouais, y'a pas assez d'électricité.
T'as soigné le chien. Oh, je te laisse Rocky, hein, je vais aller taper sur Gordis. Oh, je vous avais dit que j'avais acheté une chaise. Eh hey. Oui, t'es... Mais c'est super. T'as vu ça la dernière fois, qui t'avait coûté un bras? Eh bah, ben, je l'ai reçu, elle est incroyable. Bah, j'espère bien. Ah, mais oui. Mon coup, tu l'as reçu, que ça soit de la merde. Ta chaise gaming. Oh, bah, c'est... Ouais, c'est pas vraiment une chaise gaming, mais... Une chaise bah, Ouais, Herman Miller, on peut dire quand même que... Bah, non, Herman Miller, à la base, c'est une chaise... C'est une chaise office. Ah ouais? Pour ce prix-là? Ah ouais. Eh ben. Non, mais c'est les chaises... quand je dis office, c'est... Comment ça s'appelle? Ouais, de Richou, quoi. Non, professionnel. Ouais. Alors, les chaises professionnelles, Non, j'ai déjà ouais. goûté. Au boulot, on en a et elles coûtent pas. Enfin, c'est pas des Herman Miller. Ah bah non, non. Ça, c'est sûr qu'au boulot, t'as pas des chaises Herman Miller. Mais comment ça, zéro là, c'est bon. Il est saoulé. Ah, ce que je dis, hein, juste trouver une chaise ergo grande taille. J'aimerais bien. Bah. Tu vois, je pensais que le dossier serait un peu plus haut quand même, mais finalement, ça arrive ouais. pile au bon endroit sur mon dos, donc c'est ok. Mais il faudrait pas que je sois plus grand. Hein. Attends, mais pourquoi c'était quoi ça, le Hoodmaster? Wouah, attends, j'étais la proie du chien des... Enfin, du maître des chiens, là, et le mec, il m'avait mis moins 3 à la classe d'armure. J'étais la proie du chien des Maskerville. C'est fou. Ouais, vas-y, ah, dis lui ça... T'as plus la gueule, là. T'as plus l'eau. Bien joué, il lui restait un PV. Bah ouais, mais c'est con parce que... Attends, pourquoi... Ah, voilà. Oh mais non, quel débile. Bonjour. Ah, dis bonjour. Purée, ça m'énerve, hein. Désavantage, là, ça commence à devenir un peu... Pourquoi t'es toujours un truc d'éclair, Arda? Je t'ai déjà ça, posé cette question, mais j'ai oublié. Pourquoi j'ai des avantages contre lui? Ah, c'est parce qu'ils sont... Pourquoi je suis en crépitant de la foudre de Kereska? Ouais, et pourquoi tu changes jamais? Attends, pourquoi tu as... Je l'aime bien. D'accord. Ça permet d'avoir la chaîne d'éclairs et un éclair gratos. Ah ouais... Oui, mais t'aurais pu te mettre en feu et avoir une boule de feu et je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, le bouclier électrique, il est turbo, c'est le meilleur. Tu peux faire plein de sorts ultra énervés. Ah, alors, comment dire? J'ai encore un jet de force, messieurs. Oui, mais il y en a sur tous les trucs. Ouais, mais je sais pas si ça va pas faire repop des... Non, oh. Je viens d'en ouvrir un, là, il y avait rien dedans. Dans le Par contre, quand je l'ai ouvert, ça a fait clic. Ah. Alors là, j'ai le cadavre de Rocky, si jamais. Ouais, j'avais les colliers, là. Hop là. Bah tiens, parce qu'ils nous ont attaqué, je vais désacraliser leur corps. Hop là, voilà. Ouais. Alors, ceci est fait par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Ah oui, non, désacraliser les cadavres, oui, non, de manière générale, c'est mieux que non. Ah bah surtout de chiens. J'y pense, j'ai pas rebu d'élixir, moi. Que ça soit de chiens ou d'autre chose. Oui, bien général, sûr. N'allez pas dans les cimetières déterrer des gens, ça peut être mal vu. Bah c'est ça. Sur le principe, ouais, c'est peut-être pas le meilleur move. Mon dieu, j'ai trouvé un os sur un squelette. Oh, hey, je viens de trouver un élixir de force des géants. Mais putain. Hop là, oh, j'ai trouvé aussi une petite peluche de d'oursibou. Ce qui va me conforter. Ah, j'ai un bec de Holbert aussi. C'est que je me dis, si t'en trouves plein, c'est que ça doit être un peu nul comme élixir finalement. ouais, moi aussi, hein, je trouve ça vraiment. Je trouve ça... Aucune jalousie, hein, bien évidemment. Aucune. Aucune jalousie. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce que la jalousie d'ailleurs? Bon, du coup. Vous avez 2 heures. Je sais pas où. Le temple de Gortash là. Ah. Attends, on n'a pas visité cet endroit. La vieille dame, elle est... En vrai, là, je suis en train d'essayer de trouver un autre endroit qu'on n'a pas vu, mais... Bah là, est-ce que t'as ouvert la porte verrouillée de la morgue? Non. Ah non, t'as raison, j'ai pas fait. Incroyable. J'ai parlé à la vieille dame, mais elle râle parce qu'apparemment, on a fouillé tout son cimetière. Excusez-nous. C'est bon, j'ai ouvert la porte de la morgue. Hop. Allez, bon, ça parti. Suffit, vous arrêtez d'aller dans les mausolées. Oui, oui. Hé, hey, j'ai trouvé une morgue!
Ça va aller vite, ça va être rapide. Hein. Daraline Nicoloy. Ouh, il y a plein de trucs ici. Les poumons du père Carcasse. Eh, on va pouvoir compléter la... la collection. On va pouvoir compléter la collection sur la... sur la... Alors Carcasse, il avait 4, je crois, ou 5 organes. Je sais pas comment on s'est démerdé pour passer à côté des autres, mais... Je sais même pas ce qu'on doit faire avec. Bah, normalement, quand tu les avais, tu les... Comment dire ? Tu les pétais et ça te permettait de faire descendre des... Oh, une... Termine ta phrase avant de passer sur autre chose. Oui, pardon, excuse-moi. Ça permettait en gros de lui retirer des protections qu'il avait. Si tu regardais, par exemple, on a pété son cerveau, ça a permis d'éviter qu'il respawn. On avait pété, si tu pétais les poumons, ça l'empêchait d'être silent. Enfin, il pouvait être silence, je sais plus, mais il y avait différents gros buffs que tu pouvais lui retirer quand on l'a combattu. On l'a quand même éclaté. Donc, on l'a défoncé Manu Militari. Bah, oui, on n'avait pas forcément besoin de ça, on va pas se mentir. Bon, si jamais. Katox va pouvoir compléter son. Bon. Sa collection sur la cheminée. Ouais. J'ai l'impression que les amis, c'est bon. On va aller chercher Baveux. On essaie d'aller filer ouais. Baveux. Est-ce que cette fois-ci, Arda, tu finis ton épisode? Ah non, mais non, j'ai fait le switch. Attends, je vais redéposer le. Ah, mais tu l'as arrêté finalement en même temps que 14? Oui, vu au voilà. Final, quand le coup a démarré, j'ai coupé et après on a recommencé. J'ai complété la collection sur le... Très bien, très bien. Et bah let's go Gortash, non? Ah, c'est beau, hein. Mais non, il y avait Baveur le clown. Bah oui, mais c'est côté Gortash, Baveur le clown. Ouais. Ah merde, pardon, excuse-moi. Quoi? Mais non, mais... Pourquoi j'ai cliqué, moi j'étais... Je voulais juste passer ma souris et puis bon, y a eu un misclic. Donc... Ces excuses, toujours des excuses. Le groupe de professionnels. Nous sommes des profs. Nous sommes des professionnels. Vu le départ de l'épisode et tout, on est des pros. Ah oui, ouais, ouais, moi je vais me lancer sur YouTube Gaming aussi. Hein, qu'est-ce que vous croyez? Sur le YouTube, c'est pas la même chose. Ouais, mais, sur le YouTube. Ah, surtout qu'en plus, vu que je suis parfaitement bilingue, comme vous avez pu le voir avec le tripouir. I got a tripouir. So, Andy Carful, we have a tripouir. I need to defuse it. Hein. Ouais, diffuse, ouais, c'est ça. I need to diffuse. Je souhaite diffuse le tripouir. Bon, alors, on va vers le clown. Ouais, bon, on aurait pu TP à Rivington. Oui, oui, bon, bah. Hein. Ouais, il y a eu des erreurs. Et regarde. Déjà, je trouve que je me suis TP. Il y a un endroit où c'est encore noir sur la map. Hein. Ah oui, t'as raison. En dessous du bout de mille. Ah, mon j'y vais. J'y vais. Ne bougez pas, j'arrive. Je suppose qu'honnêtement, il n'y aura rien, mais par acquis de conscience, nous allons y aller. Il fallait parler à Lucrezia. Hein. Ouais, ça, juste en dessous. Ouais. Continue nord et puis tu prends la prochaine. Non, la prochaine. Ah, il est passé par la demeure, oui, ça marche aussi. Je sais pas, j'ai cliqué, je sais pas où va mon bonhomme. Vraiment, il est perdu, mon type. Hein. À vrai dire, j'ai déjà retrouvé en petits morceaux pour être exact. Tu suis le blabla, Arda? Ouais. Encore, pas encore, parce que je suis loin. Bah oui, c'est voilà. J'imagine un dribble est mort, le doppelganger l'a tué. Tu dis quand c'est bon. Je suis bientôt là. Ah. Je suis bientôt là. 5, 4, 3, 2, 1. Tu veux commencer par quoi? Dribble est mort, le doppelganger l'a tué. Où j'ai actuellement trouvé Baveux. Ou des parties de lui. Dribble's flesh is near torn asunder. Poor thing was most certainly alive when he was hacked up. Sympa. Ce qui me stresse, c'est que
Elle arrive à savoir que c'était, il était vivant, c'est-à-dire qu'elle a déjà découpé des gens vivants pour savoir ça, tu vois. Ouais, il reste des morceaux. On l'a pas complet. Oh zut. Oh la flemme, la méga flemme, les gars. De quoi ? On l'a pas au complet. C'est vrai ? Ouais. Bon ben. Tant pis, hein. Tant pis, hein, voilà. Allez, voix du Dracocir. Et c'est bon, j'ai découvert. Ouh, on est sauvé, hein. Un peu plus et c'était moins. Ouais. Allez. Donc, par où est-ce qu'on va maintenant ? Attendez, je regarde si on a toutes les parties de baveux, là, parce que... Bergordage. Je crois qu'on les a tous, c'est bizarre. Ou alors c'est peut-être que la personne qui c'est la personne qui devait les avoir. Ouais. Alors mais justement, bon, le pied, on l'a. La jambe, est-ce qu'on a la jambe ? On a le pied. Oh, on n'a pas la jambe. Ah. On n'a pas la jambe. Hop. On n'a pas la jambe. Bah tant pis, hein. Attends, c'est où ? C'est loin ou pas ? Bah non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on était dans... On est passé... C'était là où il y avait les doppelgangers... Il y avait beaucoup d'endroits. Oui, ça, c'est... Attends. C'était sous la chapelle, à côté. À côté de là où on est. C'était dans cette chapelle-là. Attends, quoi ? La main, le torse, le pelvis, le bras, la jambe. Ouais, ouais, c'est la jambe qui nous manque. La jambe, sous-sol, maison du jardinier. Ah oh, mais c'est de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Attends, je saute sur le toit. Ah, je vais aller essayer... Je vais la chercher vite à ouais. Mais non, mais c'est pas là, c'est faut aller à la porte de Baldur, quoi. Ah bon ? Bah ouais, hein. T'es sûr de ça, toi ? Bah, je sais pas. Je suis sur un site... Ah oui, 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 oui. Où je t'avoue, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste du putaclic, je sais pas. Ça commence par jeu, ça finit par vidéo.com. Ah. Donc c'est toujours... On sait jamais vraiment si... Ça va, c'est pas un forum déjà, donc normalement c'est un peu plus safe en termes des infos. Mais... Donc oui, il faut retourner dans BG, dans Baldur's Gate. Mais nous on veut tuer quelqu'un. Bah tuons Gortash, on finira la quête après. Ah ouais, vous voulez pas rentrer. Ce sera l'interlude avant la fin du jeu. Est-ce qu'on en aurait pas genre rien à foutre de ce... Mais enfin Arda, allez quoi. T'as pas la complexionnité aiguë Non, et la dernière quête. Aiguë, je l'ai pas, non. D'ailleurs, juste comme ça, on est bien là où on est, hein, on est bien, hein, mais comment on fait pour rentrer chez Gortash là ? Ben on saute et on passe par les prisons, comme on a fait avant. Ok. D'ailleurs, je vais faire un petit petite feuille morte. Alors je viens de voir un Steel Watcher venir s'écraser au sol lamentablement. C'est bon ? Tout le monde est là ? Ouais, je suis là. YOLO. Mais pourquoi est-ce que mon personnage est mort? Il a sauté dans le gouffre. J'en peux plus. Ah, je t'ai vu sauter en mode hop, adieu. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé, donc je vais te ressuscitationner. Non mais ça lui a enlevé la maladie là, c'est bien. Oui hein. Ah bah voilà, tu vois. T'as ils sont mon pare-chaudraise là. Non, c'est moi qui l'ai aidé. Ah d'accord. Mais ça saoule, t'avais fait une feuille morte, j'ai sauté là où il y avait de l'espace en disant ah, mais c'est bon ça passe et ça m'a... Ah le bon 1BV là. Bon si c'est faux. T'as, plus de, la, que t'as de la potion ou pas? Mais oui, j'ai tout ce qu'il faut. T'as de l'élixir? Tu sais le pire c'est, regarde le truc que j'aurais dû te donner. Attends, Arda. Voilà, regarde les thèmes, j'aurais pu te donner ça. Je sais pas si ça fonctionne. C'est quoi l'objet? C'est un truc qui est censé te donner plus morte là, à chaque fois. C'est une pièce, non, c'est une pièce, tu peux utiliser une seule. La légende raconte que si tu l'as en ta possession et que tu tombes, t'auras pas de dégâts. Ah, c'est bien ça. Bon. Gortash. Du coup, ça me fait perdre mon invocation, oh, je suis tellement dégoûté. Bah, ton invocation et ton élixir. Ouais, ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai plus aucun buff. Ça fait quoi comme moi non plus, j'ai que des poulets. Allez, let's go. Parce que j'ai plus rien à côté de moi, quoi. Je viens de comprendre. Mais je suis dégoûté, quoi, parce que j'avais bien le truc et tout. J'ai fait Featherfall, j'ai sauté. Le moment où mon poisson, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait comme toi, il s'est pris un truc.
Bah, ce qui me rassure, c'est que tu n'as pas de, t'as pas d'addon et ça te le fait quand même, donc. Ça me gave. Ouais, c'est chiant. Hein. Tu c'est comprends mieux pourquoi. Tu comprends pourquoi ça me saoulait à chaque fois que ça m'arrivait. Ouais. J'avais oublié qu'on les avait tués. Ouais, même qu'on s'était amusé à faire un cache-cache avec les cadavres. Mais non, on les a pas tués, on a juste fait du bon travail. Ah. D'ailleurs, attends, c'est un peu devenu une tradition. Hein. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Tu vas les mettre dans la pièce. Putain, j'ai perdu mon dernier élixir depuis. Hop là. Plage, quoi. Comme ça, on ne saura jamais qu'on est vieux, par exemple. J'ai entendu du jet de dé, je crois. Ah, oui. Ah, oula, il y a du jet de dé, oui. Bon. Alors, il bon. Y a du monde. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, du monde, mais ils ont pas non plus. Bonsoir. Oui, oui, allez, bien te faire foutre, toi. Bonsoir. Et attends, mais... je m'en occupe des trois, là. Ah oh. Il a fait mais... ça sur quoi? Sur un cantrip. Sérieux, sur un. Sur un. Sur un décharge de blast. Allez, bah super. Capo Geek. Ah, mais ça veut dire que j'ai aussi perdu. J'ai perdu ma faveur à faveur de Kereska. Putain, mais ça saoule. Vous êtes sûr, on peut pas recharger? Non. Ouais. Bah c'est non. Quand la dernière sauvegarde? T'as pas une sauvegarde automatique quand tu changes de région? La dernière sauvegarde, c'est le sous-sol de la loge. Sous-sol ah oui, de la loge? Avec le Gitianki. Je me souviens pas quand c'était, donc ça avait l'air d'être lié il y a longtemps. C'est le Gitianki. Oh. Oula. Oh putain, et oh, un ranger qui fait des trucs. Dis donc. Enfin ça c'était avant. Bonjour. Ça me gaffe tellement de pas pouvoir faire le combat final avec tous mes buffs. Mais, bon. Mais tu veux qu'on... Mais c'est pas le combat final hein. Non. Ok, bon tant mieux alors. Mais non, ah, c'est pas le combat final, c'est le cerveau là. Là c'est juste Gortash hein. Surtout qu'en plus on doit l'avoir un peu affaibli s'il a plus de garde d'acier là, non? Oui. Tiens, prends ça. C'est super. Bah ouais, je fais ce que je peux, hein. Je peux pas lui jeter. Non, je suis pas là. Hop, esquive. Allez, critique. Il m'a enlevé mes points de vie temporaires, cet enfoiré par contre. Comment ça se fait, il t'a loupé deux fois? Bah je sais pas, il m'a fait quand même 6 de dommage. Ah mais oui, c'est parce qu'il a une arme contendante, c'est pour ça. Bon bah dégage hein. Alors, ici il y a plein de trucs à looter. Il y a ça. Hein? Oh! Oh la madame elle avait 2000 pièces d'or! Bah oui, c'était la banquière. Ouais. Il y a une porte ici avec plein de coffres derrière. Go! Oui pourquoi let's je suis désencombré là? Oh, c'est peut-être moi. Attends, je suis désencombré, mais je suis re-encombré, c'est... Tu vois, je peux la taper, la porte? Non, j'ai essayé. Si, je peux. J'ai une clé, hein, si jamais. Ouais, il n'y a plus de porte. Quête. Sans une clé, il n'y a pas de porte. L'intérêt de... Eh, hey, j'ai eu deux boudons. Ça a l'air incroyable. Rarement surpris, plus de génie initiative, résistant sur les dommages de feu et sur les jets de sauvegarde. Ah. Bouclier de feu chaud. Bon, c'est une armure pour Mulmire, mais. Moi, un jour, j'aimerais bien qu'on prenne tous nos tonnelets et qu'on fasse quelque chose avec. Hein. Je ah bah. Je pense. C'est... Tu sais combien on en a des tonneaux? Bah, c'est pour ça, c'est... on en a tellement que je me dis un jour, ça pourrait être marrant. Alors, je pense que si on met tous les tonneaux côte à côte, on rase la map. Hein, donc. Bah, c'est trop cool. Non, mais on a vraiment beaucoup de tonneaux. Hein. On en a presque, je crois qu'on en a 80 ou quelque chose comme ça. Ouais, si peu. C'est ce qu'il faut pour faire sauter les gobelins comme dans la vidéo. Ah, ben là, on reçoit. Si on fait la stratégie face à l'ennemi suprême, à mon avis, je suis relou. Mais vous avez filé les tonneaux.
Bah, c'est toi qui fais ça. Ça, par contre, c'est pour toi, Témir. J'en ai pas besoin, moi, des outils de crochetage. C'est pas moi qui les ai donnés, ça. Ça, je suis suffisamment intelligent. Je sais, c'est rare. Pour les garder. Ah, la tenue de... Oh, ouais, c'est pas mal. Oh non, c'est de la merde. Ouais, tu vois, ça avait l'air mignon. Ah, c'est surtout le shield de feu, là. C'est cool, ça. J'ai acheté des pare-chocs pour l'utiliser. Je l'ai jamais fait. YOLO. Bon. Pourquoi on a une quête, là? Vaincre Gortash, faire face au seigneur Gortash. Hein? D'accord. Tout le monde est bon? Ah, attends, je récupère les objets que vous avez laissés traîner lamentablement derrière. Il faut aller en haut ou il faut aller en bas? Non, il faut aller en face, là. Ah, oui. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'attendais, en fait. Oui, bah tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est... Vous êtes où, là? À la porte. À la porte. Que tu vas faire. Bon, on va faire ça et puis voilà. On défonce. Ouais, ils ont 65 PV, qu'est-ce qu'ils foutent Je suis loin, sa mère. Bah, le problème, c'est plus qu'ils sont assez loin, quoi. C'est ça qui est chiant, en fait. Bah, ils vont ça te dit pas de. Tu veux pas rentrer dans la pièce avec nous? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des armes au corps à corps, ils vont tous de toute façon venir vers nous. Ah oui, si tu as des raisons de plus pour rentrer dans la pièce, c'est là où on est. Mais pourquoi? C'est juste. C'est juste que le mec, c'est pas un corps à corps. Hein. Niveau stratégie, vraiment. Je vois pas ton problème, Mudmir. Ils ont 65 PV. On a buté des trucs qui font 500 PV. Toi, le monk, ta gueule. Tu. Hein, je suis trop court. Ah bah tiens, bah chais, je vois pas le problème. Bah vas-y. T'es passé devant un mec que t'aurais pu savater et non, t'es allé te foutre près des autres là-bas où ils vont te mettre des torgnoles plein la gueule. Voilà. Vous êtes trop forts ce soir, les mecs. Ah bah c'est lui là, moi j'ai rien faire. Hein. Ah je suis trop court de genre 1 mètre. Ah c'est con hein. C'est ce qu'elles te disent toutes. Bah écoute, je veux bien qu'elle me dise 1 mètre, y'a pas de problème parce que je t'avoue, si t'avais une bite de plus d'un mètre, gars, je pense que. Ça et bah t'auras une vie plutôt compliquée. Je pense que tu vas pêcher à chaque fois que t'essayes de pisser quoi. Bah surtout est-ce que vraiment tu peux te déplacer? Hein, bah, t'auras 6 litres de sang dans le corps. Ouais c'est ça, t'imagines le jour où t'as une érection, genre t'as plus de sang, tout est parti quoi. Ah bah là c'est surtout que je pense que tu peux vers l'avant. C'est un cas médical sourcé du fait que oui. Une érection, oui, pas assez de sang, tomber dans le pomme. Oui, mais bon, faut. Ah, c'est. Moi, c'est mon quotidien chaque matin, quoi. Ah, je l'ai pas, et ça me va très bien. Ah, mais vous savez qu'il y avait un TP là, on l'a juste jamais pris. Là, il est désactivé, tu peux pas le prendre, regarde. Ah, ouais. Et ben, c'est super, hein. Bien sûr, vu que je suis à 3 km de tout le monde, et ben, je peux aller me faire foutre. Mais t'as pas une potion de vitesse. Je suis foncé pour pouvoir me déplacer suffisamment loin pour qu'au prochain tour je puisse faire quelque chose. Mune mire. Si, regarde, ouais, une potion de vitesse. Non, attendez, j'ai mieux. Hop là. Très loin là, mon très cher. C'est bien. Super, j'ai complètement viandé mon truc, mais c'est pas grave. Ah, tout c'est pour ça. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, j'en ai plein. Ah oui. J'avais plein d'options, mais vraiment, je n'ai pensé à rien. C'est pas grave, ils vont tous se rapprocher de toi. C'est parce qu'en fait, moi je vois les portes toutes fermées alors qu'en fait, manifestement, elles sont toutes ouvertes. On t'entend. Elles le sont. Comment? Là, c'est mieux. Ah bah. Excuse-moi, le micro était mal orienté. Il avait laissé son casque dans les WC. Exactement. Il se passe des choses pour vous ou pas? Parce que moi, il se passe rien. En point série qui est toujours en pleine hésitation. Voilà. Manifestement, il a arrêté d'hésiter. Oh là, il y a un potentiel boule de feu là où vous êtes, c'est incroyable. Hein. Mmh. Oui, mais le problème c'est que. Mais y a pas de mage en face quoi. C'est loin. Non, c'est pas ça, c'est ce que je veux dire, c'est là où vous êtes là. Là si, où vous êtes là, entre les ghouls et vous trois, il y a un potentiel pour balancer une boule de feu sur vous qui est incroyable. Bah, la personne qui a un petit bâton dans les mains en face de toi, penses-tu que ça puisse être un mage? Ah, le brasier Savora là, qui a armure de mage? Peut-être. Ouais, hein, c'est un indice, hein, peut-être. Il y en a là-dedans, hein. Elle s'appelle Brasier. On va voir ça de suite. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah elle a rien fait. Elle a rien fait. Pourtant elle s'appelle Brasier. Elle m'a raté. Non, c'est vraiment, c'était incroyable.
Ah ouais, quand je te dis qu'ils sont mauvais... Non mais sur le premier coup, il m'a raté, tout va bien. YOLO. Oh, je vais tellement me faire plaisir là, vous pouvez pas imaginer, hein. Oh, je suis déçu. Vous n'avez jamais vu ça, hein. Oh. Ouais. Attends, je peux venir te faire bien chier avec un truc. Je te regarde, fais-toi plaisir. Attends, vas-y, tu vas voir, mec, tu vas être très heureux de ma participation. Yamimato. Dabodabi. Ah, en plus, ils ont pas trop de dex. Allô? Ah, mais pardon, il faut qu'on joue? Bah, il faudrait que tu joues. C'est à toi. On t'attend, en fait. Non, mais désolé, genre, j'étais. J'attendais une réflexion. Si jamais j'étais en train de replacer mes sorts dans ma barre de sorts. Eh bah, c'est super! C'était. J'étais juste en attente qu'il se passe quelque chose, quoi. Genre, vraiment. Complètement, on bat les couilles. Bon. Genre, ah, il y a un combat. Est-ce que ça vous tue? Bah, une en tout cas. Ça l'a tué, incroyable. Non, je vois, je vais garder ça pour après. Vous m'aviez fait perdre des PV, mais en fait, non. Tiens! Oh! Ah. J'ai trop aimé le combat épique, tu sais, de la riposte pour finalement, bah. Crever comme une grosse merde. Comme c'est bien dit. Oh, tous les onglets trop beaucoup horribles. Ah ouais. Alors, en fait, j'ai une portée suffisante. Alors là-bas je peux. Là-bas je peux. Un petit trait de feu. Non, je vais pas gâcher mes spells. Petit rayon de glace. Tiens, 18 quand même le rayon de glace, déconne pas. Ouais, mais je voulais le faire tomber par terre, mais ça n'a pas marché. It didn't work. Mais tu l'as slow de 3 mètres. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est à toi, Mulmire. Non, mais jamais j'aurai la distance pour arriver. Ah, mais, je veux bien t'en donner un peu, hein. Attends. Ouais, non, j'ai pas assez de mouvement. Pas grave, va à travers la porte, je suis sûr qu'il y a plein d'ennemis à droite. Travers les plaines. Ah ouais? Truc c'est qu'à droite, même s'il y a des ennemis. Sans qu'il y ait des ennemis, on leur roule dessus. Oui. Ah, qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, lui tu vas le tuer, je suppose. Ouais, je vais leur chatouiller les tout bras. Ne suppose rien, fais-toi plaisir. Ah, attends, je suis en train de te les attendre un peu là. Hop là. Attendrir un peu sa viande. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que tous les pièges ne sont pas activés. Genre les propulses grenades, les rideaux de force et tout. Tout le monde. Non, on bat les couilles, hein. Ouais. C'est pas faux. Et c'est parce qu'il manque un. Il manque quelque chose. Ah bon? Un cerveau. Ah, pas vous. Ah, quand même, hein! Allez, let's go, la gueule! C'est qui le point d'ébain, là? Mais qui est où, là, lui? T'es perdu? Il est tout nu. Enfin, il est tout nu. On s'entend, quoi. Genre, il a pas d'armure, il a rien. C'est une nana, d'ailleurs. Elle. C'est à toi. Ah, oui, c'est vrai. Oh là là! Oh, l'équipe, c'est débile quoi, c'est! Mais j'ai tellement l'habitude que le monde qui roule sur tout le monde après 2 secondes que je me dis c'est bizarre, ça dure longtemps. Bah, ils sont beaucoup, hein! Ouais, bah d'habitude c'est vachement plus efficace que ça. Bah, ouais, mais ils étaient loin aussi. Je ferais voilà. Dire qu'ils étaient pas tout près quoi. Yamimato. Dabodabi. Ah bah oui, mais si tu tapes avec tes pauvres poings sur les ghouls, ça va pas bien marcher, hein! Tiens!
Ouais, c'est ce que je pensais, hein. Bon. Oh non, c'est bon. J'imagine bien l'autre qui est à main nue à moitié à walp là. Moi aussi, j'essaie de s'échapper, t'as un monde qui lui court après. Reviens là. T'inquiète, je me bats à main nue moi aussi. Tiens. 0 point de ki ce tour-ci. Les goûts, bien content de pouvoir quand même faire un petit build main nue là, c'est rigolo quand même. Hein. Moi j'aurais bien aimé jouer avec une bonne masse sa mère là. Comment? Moi j'aurais aimé jouer avec une masse à deux mains, mais l'arme légendaire, la seule qu'il y a en arme à deux mains, c'est une épée. Bon, elle est bien, hein, mais. C'est à moi donc. Oui, c'est vrai. J'avais mon cœur avec l'équipe. Ouais, j'aurais tué quelqu'un, ça fou. J'en ai pas tué tant que ça. Hein. Ouais, t'as juste lavé la map, mais. De quoi tu parles, franchement. Y'a quoi derrière cette porte? Ah bah. Mais en fait, toutes les animations sont cassées. Genre, je clique sur les portes, il se passe rien. Bah, si, tu viens de la fermer là. Bah, mais moi, je la voyais fermer en fait. Ah bah, tu viens de la fermer pour moi. Oh, y'a pas d'objet. On est où là? Je sais pas, là, je suis en train de récupérer. Oh, 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 oh. Vous êtes où là? Ça va. Vous êtes en haut? Ouais. Ah! Bah, moi je suis en train de récupérer les plateaux d'argent en bas. Ah merde! Il y a des incinérateurs, attends. Est-ce que je peux les tuer, tu crois? Est-ce qu'ils vont pas nous claquer à la gueule? Il y a un bouclier de fer plus, hein. Ouais, si, ouais, vas-y. Juste avancer un tout petit peu. Il y a une épaule de porc! Ah putain, non, vas-y, prends. Tu veux que j'avance, c'est ça? J'ai trouvé un kiwi! Putain, j'ai perdu raison! Alors, vu que les deux autres ils parlent très fort, je t'entends pas du tout. Bah attendez, on est en train vas-y. De préparer le repas de ce soir. Essaye de te mettre juste à côté de moi. J'ai trouvé un truc hyper important. Faut pas bouger, faut que tu passes ton tour. Oh fuck. Trouve un truc hyper important, t'es où? Bah toi, alors. Je peux pas te le donner. T'as trouvé un tableau? Non, t'en fais. J'ai trouvé des tonneaux. T'en fais pas, Arda, je vengerai ta mort. La seconde mort? Ah non, mais on arrive, hein. Ça arrive fort. Hein. J'en fais pas, on est bien. Tiens, j'en ai trouvé un autre. Putain, il est mort de merde, arrête, tu fous le bordel dans mes sacs. Il y a des trucs dans ces cuisines, hein, dis donc. Bah oui. Il y a de la vie dans ces boîtes jaunes. Attends, la soupe de potage, elle doit être bien. Bon, allez, vas-y, je vais à l'étage, je vais voir. Oula! Oula! Mais quel enfer! Mais stupide goule de merde! Je crois que t'aurais pas dû monter, hein, parce qu'il y a quand même eu un lien de cause à effet où t'es monté et il y a tout qui a pété. Ouais, je t'avoue, je suis monté comme tu dis et genre c'est tout qui m'a pété à la gueule. Hein. Mais non, mais c'est les ghouls, elles ont toutes attaqué un piège, ça leur a pété à la gueule, elles sont toutes mortes. Allez, bientôt finir à récupérer la vaisselle là et. Non, mais y'a pas que de retache en fait. Bon, bah, j'aurais pu rester en bas, vous avez pas besoin de moi pour tuer 15 mobs quoi. Oh, c'est clair. Oh merde, y'a une échelle ici. Moi j'arrive, hein, je finis de. Sauf que c'est une échelle en fer, tu vois, c'est pas une échelle que tu peux détruire. On peut ramasser les grenades et les lancer sur les mobs. Ouais, t'as vu, c'est bien. Hein. Et tu génies. Hop. Tiens. Voilà. Oh le coup critique. 42. Oh, bah, il a passé un sale quart d'heure lui, hein. Ah, bah ça c'était bien. Allez. Allez, ça c'était bien ça. Allez, je t'achève pour le prix de. Voilà, hein. Histoire de dire quoi. Comme j'ai ça, ça fait. Cadeau. Attends. Non, mais je t'ai envoyé un truc, t'inquiète, pas grand chose. Ouais, mais c'est parce que. Ouais. 106 ou 87. On va tirer sur lui. Faveur de la capture d'âme. Ah, mais du coup, mon anneau il sert à rien parce que c'est que sur les. Ah, bah j'ai un anneau pour toi si tu veux. Mes lumières. Bah, moi j'ai plein d'anneaux bien là. Je... Non, mais j'ai un anneau qui fait que si tu tues quelqu'un, oui. Tu peux faire un critique automatique sur l'attaque d'après. Ah oui, parce que valable d'une fois. Ouais, mais en fait, je peux pas m'en servir.
Parce que alors... sur l'attaque à main nue, ça marche pas. Ouais, mais c'est valable une fois par court repos, c'est ça? Ou le repos? Ouais, c'est ça, mais bon, tu vois, sur Gortage, ça peut être... Enfin, je sais pas ce que t'as comme anneau, après, mais... Bah, ça me file... 3 à 7... non, ouais, si, 3 à 6 points de dégâts plus par tour. Tu me dis, ah, les tiens sont peut-être mieux. Bon, du coup, faut que je me trouve un autre anneau, moi. Je sens que je vais me faire incinérer les poils de fesses, là. Mais non. Ouais, c'est pas cool, hein, parce que bon, moi, je suis arrivé, j'avais rien demandé, et je pense que, ouais. Ah, vas-y, viens, le gauntlet. Ça me donne un dommage, en plus. Vas-y, viens, mec. Oh, yes. Oh, c'est Aisha. Oh, ouais, bah, c'est incroyable. Oh, tu l'as... Ah non, loupé. Oh non, assassin imaginaire, là, c'est bon. Après, c'est un level combien? J'ai pas fait gaffe. Ah bah, c'était aussi l'aura de terreur. Hein. Non, mais l'aura de terreur, c'est pour Katox. Bon. Oh, mais si je me place proche de lui, je suis en terreur. Vous voulez tartiner, là, chacun votre mob, là. C'est bon, vous avez pas besoin de nous pour cela. Bah, moi, je suis au corps, hein. Comment? Moi, je suis au corps. Comment à ça? Tu veux... Allez. Oui, je veux bien de l'aide. Bah, je suis là, regarde. Attends, attention, Katox ne bouge surtout pas. Ah si, recule un peu. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je peux te l'amener près de toi, oh si non, tu veux. Non, je peux pas le finir, c'est con. Ah bah, si tu... Ouais, il lui reste 11 PV, t'arrives à lui tirer dessus ou pas? Oh, attends. Ah, s'il bouge pas... Oh, bien joué, Katox. Ah, merde. Bon, bah voilà. Voilà. Électrocuté à mort. J'adore la télékinésie, c'est très drôle. Y'a un méchant pas loin de là? Ouais, là. Il lui reste 75 PV. Oh, il est trop loin. Un petit jump. Bah non, mais si je fais le jump, ça me bouffe l'attaque. Ah, bah dommage. Ah non, mais en plus, fais gaffe, il est dans un... Ah! Oh, tu peux la lancer, non? Ah non, lancer, c'est une action. Ouais, mais sinon, elle va te péter dans l'inventaire. Ah, tu peux la ramasser, au pire. Ouais. Non. C'est un échec, hein. on est d'accord que là, c'est... Oui, oui. Après, l'incinérateur, là, il va lui tirer dessus, normalement, sur le mec par terre, non? Ah bah voilà, regarde, il est servi sur un plateau, lui. Ah, mais ils viennent à nous. Ouais, et ils sont sympas. Eh, mais, ça suffit, là. Ils kiffent, bah en même temps, t'es dans la ligne de mire, hein, du truc. Oh, let's go. Il vient de se faire fuir le cul, lui. Alors, je peux me prendre celui qui est à 36, ou tu le veux? Je vais le tuer, non, vas-y. Mais je vais le tuer, moi. Non, mais si lui, non, mais le en fait, tue, ça fait l'action bonus. À côté de toi, là. Oh. Pour les actions bonus. Attends, je vais essayer de te la ramener près de toi si tu veux, avec un peu de bol. Oh bah vas-y, tire-lui dessus un peu, je le finis après si tu veux. Ah, je peux pas, je suis juste là. Si je peux te le ramener un peu plus, attends. Je peux le prendre de là et l'emmener là. Ah, ça c'est sympa. Alors ça c'est très très sympa. Bonjour. Ça hurle autant dans le jeu qu'en dehors du jeu. Je confirme. Ouais. Est-ce que vous voudrez qu'on fasse un short rest après le fight ou pas? Comme vous voulez. Ah, ça à savoir, hein. Sinon, parce que là, sinon je claque. Il a dit oui, le mage. Oui? Oui, j'arrête pas de dire oui. Et ben, tu. Ça dégage. J'ai dit ça dégage. Voilà. Ah, mais c'était le dernier! Aïe. Je savais pas. Bon, alors peut-être qu'on va s'occuper de ces merdes là. Ah! Comment on peut les péter ces trucs là? Ah, si, j'y vais, t'inquiète. Ah non, mais juste un truc d'éclair, un truc d'éclair.
Ah, il faudrait un truc d'éclair. Je sais pas si ça existe, un cantrip d'éclair. Oui, mais ça s'appelle une poigne électrique. Non, mais ça fonctionne, les trucs de Katox là. Par contre, un autre coup là, de m'envoyer des objets pendant qu'on est en combat et que ça me fout en encombré de ouf. Si on peut éviter, ce serait sympa. Envoyer encore des merdes quand on n'est plus en combat. Oui, bah, oui, oui, bah oui, ça c'est sûr. Bon, du coup, par où il faut aller pour continuer? Bah déjà, faudra peut-être faire un short rest, on a dit. Il y a une pièce qu'on a jamais faite. Ah, oh, c'est fait. Donc y aller. Bon, le short rest c'est fait. Ouais, j'ai vu ça. Bah, je vais peut-être prendre une popo en plus. Et par où il est allé, Katox? Il a fermé la porte et tout. Là, moi j'ai trouvé une échelle si jamais. Mais je sais pas où elle mène. Pas celle-ci, hein. Ça, on y était tout à l'heure. Ah, mais... j'ai trouvé un escalier en colimaçon. Là, il y a une échelle plus haut. Je sais pas trop comment on fait pour y aller, cela dit, mais. Là. Oh là! Mais il avait plein de trucs, lui! Je sais pas si vous la voyez celle-là d'échelle. Attends, il y a encore des trucs à looter hein. Oui, non bien sûr. Ouais, le passing des fois il est un peu aux fraises quand même, on veut pas se mentir. Ouais, c'est... Ouais. Il y a mon perso là, il a fait tout le tour d'un banc pour aller sur le cadavre qui était à même pas un mètre de lui. Un ragoût de champignons là. Yeah, let's go. Une petite soupe de fruits de mer. Ouais, t'es comme ça toi, à bas le trône. C'est pas très belge ça. Hein. C'est vrai que vous avez un droit. Ah, il y a une porte ici. Oh. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Un mort. Oui, bon, bah ça, c'est monnaie courante, hein, j'ai envie de te dire. C'est, mon dieu, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup ici. Bon, est-ce qu'on va dans le passage? J'arrive. Ah, c'est là que ça mène. Oh! Vous avez pas récupéré toute la vaisselle là? Oui, parce que bon, on est quasiment à la fin du jeu et qu'on a peut-être plus grand chose à foutre maintenant. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir un beau service à dessert. Bon, d'accord, ça va, j'ai compris, j'arrive. Il y a tellement de pièges par terre. Le passage, alors. On est déjà venu ici. Ça me dit quelque chose, ce gros truc violet là. Ce gros truc violet. Petite cuve de nautiloïde. Attends, putain, mais vous êtes passé par où là? On a pris le passage et on est monté tout en haut, là où on s'est déjà battu. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà venu. Ah, mais on est déjà venu, on a déjà tout fouillé ici. Attends, merde, comment on fait pour remonter déjà? Le portage est dans la pièce là-bas derrière. Là, ça me fait penser, il faut que je vais défoncer tous les pièges qu'il y a ici. Ah putain, il est là. Il est où Gortachounet là? Dans le fond. Ah bon? Là, il est dans son petit bureau. Oui, on a nettoyé la zone avant de. Ah. Non, parce que bon, là on dirait qu'il a pissé partout quoi. Il y a de l'eau par terre et tout. Quelqu'un voit encore des pièges quelque part? Normalement. Ah, si, là, un accélérateur. Avec le tête. Là, il y a un truc de grenade. Hein. Où ça? Ah, ouais. Là, y'a un truc de force. Mais où? Je l'ai ping! Ah, je voulais pas mourir. Hein. Au-dessus de la cheminée. Mais je l'ai eu celui-là. Ah non, il vient de casser là.
Et la fois, ça me semble pas mal. Ouais. Tata Yo-Yo. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur mon chapeau? Attends, il y a juste un incinérateur. Non, je me mettrais pas là si c'était toi. Charlatan, toujours faire confiance aux individus malhonnêtes. C'est-à-dire ce que j'ai fait. T'as fait un truc et... T'as peut-être cassé assez de pièges. Ah, attends, il y a écrit... Trahir une alliance récemment forgée. Ah oui, ça, bof, écoutez... Ouais, bon. Ah d'accord, comme ça, genre dans celui, il n'y a pas de blabla. C'est comme ça, lui. Qu'est-ce qu'il a? C'est embêtant, j'avais envie de faire un truc avant de... Résistance de légende. Immunité contre oh, on se calme là. Wow, qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Ah, je sais pas, mais j'ai pas aimé. Alors, il aurait pas une sphère d'invincibilité? Si. Bah, il a carapace de résistance, c'est quoi? Je vais te dire ça. Mais non, il y a un truc là, rideau immunisé de force. Immunisé aux dégâts de tonnerre physique et élémentaire. C'est juste pendant un tour. Elle est pas immunisée à ça. Nous on va avancer jusque là déjà. Attends, mais là il est. Ensuite. Ah, mais il a des résistes à tout en fait. Ah merde. Il a fait quoi comme dégâts? Il a fait du feu. Je voulais bouger. Mais je voulais la ramasser. Bah, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais il a ramassé le truc, ça m'a explosé la tronche sans que je puisse me barrer. Maintenant je suis mort pour cause de décès. Ah merde, t'es en train de lécher le sol déjà. Ah ouais. Et bon, dès le départ... Je gagne résistance, attends, c'est quoi ça? Résistance... Garde réfléchissante active, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais préféré pas être là, mais... Tout pour ce personnage est renvoyé d'où il vient. Ouais, c'était... Il a fait quoi comme dégâts, Kiki, là, depuis tout à l'heure? Bah, il a fait mal à Katox. Bah, c'est surtout le Thunder hein, qui fait mal là depuis tout à l'heure. Ma foi. J'ai envie de dire. Tiens, Katox. Ah! Waouh! C'est mieux que zéro! Waouh! Voilà, c'est. Yasai! Injonction halt! Ok. Pas forcément. Quoi? Ou d'affecter n'importe quel type d'action? Bah, en gros, c'est tu deviens une cible gratos. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Ils kiffent, hein. Leur roi de terreur, ils kiffent, hein. Ah ouais, bah c'est Bane quoi. Oh ah. Je remeurs. Bon, Katox, on aime bien le comique de répétition, mais là ça devient un peu lassant quoi. Il est tombé? Oh oui, il est tombé. Attends, c'est quoi ça? Reflectoguard. Ça renvoie tous les projectiles. Ah bah tiens, attends, je vais lui projectiler la gueule. Mais non, ça les renvoie justement. Ouais, attends, regarde. Ah c'est super. Arrête de bouger. Bon. Pendant ce temps-là, je vais aller aider Katox. Oh non! Oh là 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 là. Ah! Qu'est-ce que je peux faire? Bon. Je fais Mimi de life. Je suis déçu qu'on ait même pas eu un petit dialogue avec lui là où il y a. Bah non, mais non. Ouais, je sais pas. Normalement, il y en a un. Bon bah c'était très décevant, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais.
vais ramasser le tableau, tiens. Ah, je suis relevé, moi. Ah, mais non, attends. Ouais, donc je suis à côté pour qu'il prenne une attaque d'opportunité s'il essaie de se barrer. Voilà, là, je me suis vengé. 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 C'est stylé leur sort, rayon traçant, là. Bah, c'était celui que j'avais au début. Mais je crois pas qu'il y avait l'effet. J'ai pris méga cher. Hey, je m'en fous, chais. Je suis résistant. Ouais, je m'en fous, je suis résistant, chais. Bonjour. Comment ça, il n'y a pas d'attaque d'opportunité? Attends. Bah non, il a foncé. Bah. Il invoque quoi, là? What the fuck? Oh, parce que c'était un scénarium. Oh là! Eh, j'ai pas connu ça, moi. Il y a une grosse chaîne magique qui... Oula, mais il s'est changé. Ah oui, il fait un avatar de machin truc. Oh, ça me donne envie d'aller lui taper dessus. Aura de brutalite. Bon, faut défoncer tous les machins, là. Bon. Attends, on est d'accord que là, c'est un cas de force majeure, hein. On est obligé de sortir les grands moyens. Ah bah moi je suis en hâte, hein. Allez, c'est parti. Oh, attendez. Ok, j'ai mis 0. Ah merde, il est immunité contre les dégâts de force. Oh la bouse. C'est con ce que je voulais le désintégrer. Là, je suis content de plus avoir mon build où je fais que des dommages de feu là. Il est immunité au tonnerre, au feu et à la force. J'arrive. Bon, ça dégage. Attends, je peux pas le... Oh, je peux pas. Toi. Oui. Débarrasse-moi de lui, ça m'arrange. Bon. Attends, pourquoi je suis à des avantages là? Non, c'est moi qui ai raison. I've got a bad feeling. About this. Exactement, a bad feeling. Mais non, mais t'es pas sérieux là. Alors si tu me laisses, je peux lui faire un truc dans la gueule qui peut être rigolo. Allô? Ouais, bah vas-y, hein, j'ai fini. Ah parce qu'il faut qu'il soit grand, hein. Si c'est un ennemi qui est grand, je peux lui mettre un truc dans la mouille. J'ai donné tout ce que j'avais. Oh t'inquiète. Finis pas? Bah non, j'ai plus d'action. Ils sont immunisés aux dommages de force, Arda. Ah les petits trucs aussi là? Bah tous en fait. Vous croyez qu'il y avait que le... Non. Immunité à la force, au poison et au psychique. Ouais mais c'est nul. C'est nul. Et par contre ce qui est cool c'est que... Juste comme ça, ils comptent comme des vrais gens, c'est-à-dire que si tu les tues ça te donne bien une action. Attends, tous les servants de Bane autour de ce personnage? Ouais, ça donne de la force, c'est chiant. Ah donc ça veut dire qu'il peut passer en turbo... Ouais, il a 18 de force. Ouais. Il a 18 de force, ça va. Ah mais il est stylé en méga grand quand même, hein. Qui n'a pas passé son tour? Ouais, c'est... Excusez-moi. Oh, mes points faits exprès. Halt. Counterspell. Tiens. Bon bah. Oh. Je suis de retour. Ah. Ah il me veut vraiment pas lui, hein. Oh vas-y, viens mec, viens. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient du tyran. Oui, Shenki. Ouais bon c'est pas bon. Hein. Chez. Non reviens. Ah putain, il est venu à domicile. Ah bah. Je suis mort pour cause de décès. Attends, le bute pas. Ouais. Voilà. C'est bon, tu peux le tuer. Je le laisse. Pardon. Il reste 14 PV. C'est pour ça que je le laisse à venir. Je vais aller tuer son pote à côté là. Il est pour moi son pote. Ah. Attends, regarde. Too late. Mais...
Bah ça va, t'as buté tout le monde au combat d'avant. C'est vrai. Bon bah on se retrouve autour du cadavre de Katox, hein. Petit ange parti trop tôt. On soit clair, j'ai tout loot. Ah non, je peux pas voir. Ah si, je peux quand même voir la cinématique, faut quand même pas déconner. C'est quoi ce qu'on regarde là? Ah, c'est sa main. non mais c'est... C'est une partie de son corps. Il s'est tatoué en violet, quoi. Dégage, toi. Oula. Tu veux dire le truc où on a été trois fois et t'as fait non, on n'y allait pas tout de suite. Exactement. Là où il y avait un gisement pur de scénarium. Mon dieu. C'est fou. Un gisement pur de scénarium, j'adore. No turning back. Est-ce qu'on se fait un long repos? Est-ce qu'on fait une fin d'épisode? Ça oui, clairement. Mais est-ce qu'on fera un long repos? Alors long repos, moi pas besoin, mais... J'ai plus aucun buff, je suis dans... Les chaussettes? Je suis dans la détresse la plus totale. Peut-être qu'on va rester à Tox avant quand même, parce qu'il est en train de lécher le sol depuis tout à l'heure. Moi je suis juste décédé, moi j'ai pas de... Oh, dans une position en plus, on va être très très viril, hein, on va pas se mentir. Bah oui. On a l'impression que t'es en train de... C'est des points américains, ces gants. Oh, en plus on dirait que tu fais des... Ah non. Ouais, on dirait que tu étais en train de faire une position de... Je sais pas, de la danse indienne, là. Je suis mort à un indien. Allez, vas-y. Hop là. Ça va mieux, hein? Eh ben, sur ce Ressuscitation, on clôture l'épisode. Allez, tchou tchou les gens. Ciao.